Bon, c'est bon, on a bien rigolé. Bon, donc bonjour à tous et bienvenue. Je suis MDG de Normandie et donc nous nous retrouvons pour l'épisode 16 de My Colony. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'épisode 15. Beaucoup de versions également sont sorties. Je crois qu'on était en version 0.87 quand on s'est quitté. On est en version 97 maintenant. Donc 10 versions sont sorties. Ah non, attendez, j'ai. Excusez-moi, j'ai un chat qui demande à sortir. Déjà, ça commence bien. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc, beaucoup de versions, je disais. Donc, on va voir ça un petit peu ensemble. Premièrement, il y a un petit surlignement. Maintenant, sur les bâtiments, il y a beaucoup. Il y a pas vraiment de choses qui ont changé sur le training. La Stargate, je l'ai construite, je m'en suis beaucoup servi. Donc, on peut importer, voilà, des ressources. On peut également en exporter. Ma principale source de revenus actuellement, c'est l'obsidienne. L'obsidienne. D'ailleurs, je peux en vendre 100K. Et ça se vend, mais extrêmement cher. Voilà, ça presque un million, presque un milliard, pardon. Donc, ça vaut vraiment le coup. Je le vends maintenant. Hop, voilà. Ça vaut le coup. Donc voilà, donc ça c'est l'obsidienne. Je vais redécaler un petit peu. On va faire un tour rapidement, mais premièrement, faut savoir que voilà, on a maintenant Bandwidth, donc de la bande passante qui est présente. En fait, c'est une nouvelle ressource, c'est de l'informatique. Donc, il va falloir gérer les réseaux de communication sur notre base maintenant. Et apparemment, maintenant, je peux plus créer certains robots. Sans avoir ça préalablement. Donc, voilà, ça c'est une chose. Alors, on va dézoomer à fond. Première chose qu'on va avoir, donc, il me semble, hein, j'ai pas revu l'épisode, j'aurais dû revoir l'épisode 15 avant de me lancer. Ici, beaucoup, beaucoup d'hôpitaux ont été créés. Simplement pour avoir les points de recherche nécessaires. Donc, voilà, donc ça gère en même temps la santé et puis ça me fait des points de recherche et ça m'embauche du personnel. Ensuite, mes banques, c'est ma principale source de revenus sur la colonie. Après, évidemment, la vente de ressources. Donc, j'ai créé des banques d'investissement. Enfin, j'upgrade en fait mes banques en banques d'investissement. Qu'est-ce qui me manque? De l'argent, donc c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc, ça voilà, c'est pareil, c'est ce qui me prend beaucoup de population, beaucoup de travailleurs. J'ai fait également quelques synthétiseurs d'or avancés. Le problème, c'est que bah, ça me consomme un petit peu de. Ah, ça me consomme un peu d'uranium. Voilà. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Bon, voilà, c'est pas encore dramatique. Ensuite, donc, ici, pas grand-chose à évoluer. Oui, les cristaux. Ah, tiens, les cristaux, d'ailleurs, j'ai pas replanté. Alors, on va essayer une nouvelle fonctionnalité, justement, qui vient de sortir dans la version 97. Hop, j'ai tout sélectionné. Voilà, bah, justement. Voilà, je peux maintenant grouper. Voilà, toutes mes unités. Ce qui fait que maintenant elles sont plus regroupées qu'en un seul point et elles le bosseront toutes ensemble en même temps. Ce qui peut être avantageux. Ce qui est pas mal en fait. C'est totalement cool. Hop, j'ai déjà replanté hop, ce qu'il faut. Ah oui, mais le problème, c'est quand ça va se retrouver au milieu des ressources et que ce sera glitché dans les ressources. Bon, à voir si c'est cool ou si c'est pourri en fait. Mais bon, eux, pareil, les gold miners, je vais les
On va juste faire ça ensemble et on va faire le tour de l'autre moitié de la base. C'est déjà beaucoup plus fluide hein, qu'avant, même si c'est pas encore tout à fait ça. Mais on a un mieux, hein. On a quand même un mieux au niveau de la fluidité du jeu. Donc c'est plutôt cool. Ok. Hop, on va déjà créer ça. Ici, on avait déjà vu, hein, c'est les puits qui me permettent d'avoir donc de l'argile et des reliques, des anciens artefacts. Ici, ça a pas énormément changé. Ouais, si, au milieu là, j'ai un petit peu remanié ici. Je sais plus si on avait détruit ensemble ou pas les Galactides Board of Trade. J'en ai plus qu'un, il servira si je passe en multijoueur, arrivé à un moment. Et toute cette zone-là qui était prise bah, par des galactiques, machin, je les ai libérés, donc c'est de l'espace libre qui peuvent servir, voilà. Ici, ça a un petit peu évolué au niveau de la flotte. Voilà, je produis de la flotte et je gère mon environnement ici. D'ailleurs, faut que j'y jette un œil. Ouais, voilà, j'étais passé encore au-dessus des 15 millions, donc il fallait que je réactive ça, donc c'est fait. Au niveau énergétique, ça a pas énormément bougé, c'est toujours... tiens, c'est assez fluide en haut. Hop, voilà, je peux rajouter encore des hydrogènes réacteurs, ici. Ici, on a toujours nos fermes à bois, ça a pas bougé, et ici, voilà. Alors ici, j'ai créé mes usines à obsidienne, mes obsidienne furnace. J'ai upgradé aussi quelques quantum warehouse, enfin quelques warehouse voilà en quantum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, ça n'a pas énormément changé, il me semble. Je sais plus si on avait vu ça, mais voilà, pour le moment je l'ai arrêté, le Tritanium, voilà. Voilà, parce que je m'en sers pas en soi. Il me semble que je suis à fond, de toute façon. Mais ça me consommait masse de. Le Tritanium, c'est pas. Voilà, c'est ça. Ouais, bon. Je pourrais peut-être le relancer, mais ça me coûte du sucre, ça me coûte plein de choses. Voilà, c'est plus une dépense d'argent. Qui est un petit peu inutile pour le moment. Donc voilà. Donc vous avez à peu près tout ce que j'ai. Et donc, alors, hormis pour les artefacts, j'ai tout ce qu'il me faut pour la transcendance. Donc ça qui est le dernier, voilà, la dernière recharge du jeu. Voilà, on a ça, la Next Gen Power Production. Donc, il nous permet d'avoir un Diamond Crystal Reactor, donc pour créer de l'énergie, et Alien Plastic Factory, donc une usine de plastique, mais Alien, donc c'est pour upgrader nos trucs, voilà. Et on a les Network Infrastructures, c'est là-dessus qu'on va commencer. Alors, nanana. Ouais, donc on va avoir tout ce qui est informatique, donc serveur building, software studio, d'accord, un cluster de... Oh, ça à mon avis c'est pour... ouais, je sais pas, on va voir ce que c'est. Arcade Center. Voilà, il y a pas mal de trucs. Net School, ok, d'accord. Donc il y a aussi de l'éducation. Voilà, donc on va prendre ça. Ça a coûté que 500 points voilà, de. Ok, wow. Ok, donc on a énormément, énormément de choses. Je propose c'est qu'on développe un maximum. Donc là, on va avoir New Station. Oh, on a un truc de propagande. Ok, d'accord. Et on a les avancées de... Ok. Donc, on va prendre le multimédia infrastructure.
Et la vente de network infrastructure. Mass data management, d'accord. Donc déjà, on peut créer des larges serveurs. Des serveurs larges. Donc les small, ils passent tout de suite à la trappe. Fish making, studying. D'accord, on va voir ce que c'est. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ok. Donc là, j'ai débloqué tout ce qui était informatique. Donc, information technology. Alors, tiens, ça n'a pas été traduit ça. J'ai pas le jeu en français? Pendant un temps, il y avait une traduction française, elle a sauté. Attendez, on va voir ça dans les options. Parce que ils ont bossé. Voilà, ouais, ici, il y a des trucs en français. Mais tout n'a pas été visiblement traduit. Bon, donc il y a encore certaines choses qui sont encore en. Voilà, en. Donc. Je suppose que. Oui, voilà. IT Studio Complexe, ok, d'accord. Et on a le Galactic Stock Exchange. Ok, d'accord. Donc, déjà. Ok, et donc. Ok. Donc, on a les small server building. D'accord, ok. Et puis, je suis sûr qu'il va me falloir des robots. Je suis sûr qu'il y a des robots spécialisés dans. Dans l'informatique, c'est ça? Des IT robots ou je sais pas quoi. Je vois pas, mais peut-être qu'il faut construire déjà nos premiers serveurs. Donc, on va commencer par ça. On va créer donc nos premiers serveurs histoire de pouvoir. Et je propose bah, qu'on fasse ça bah, là, hein, là où il y avait avant les Galactic Trade. Donc on va se créer déjà tout ce qui est software. Ah oui, et puis il va falloir que je retaille un petit peu par contre. Est-ce que je l'ai fait là? Après j'ai de la place plus bas. J'ai de la place ici, je partirais bien plutôt ici à côté des usines de robots, c'est plus cohérent. On va partir ici. On va faire ça ici, ce sera plus simple. Je vais déjà construire une première route. Son road. Roads. Dark pavement. Hop, on va faire ça comme ça. Alors, il y aura. Alors, c'est du 1 x 1, donc de toute façon. Hop. Voilà, ce sera comme ça. Pour le moment. Donc, Information Technology. Les serveurs. Et on va partir. Donc. On en a combien là? Ok. Hop. 9. 10. Ok, donc là déjà on va en avoir. Donc ça va nous en générer 1000. Et j'ai les ressources pour. Donc quitte à faire. On va faire ça comme ça. Ok. Et au moins, j'ai déjà en plus pour mes routes le modèle.
Et donc, certainement que j'aurai comme ça. Bon, 2000. Donc ça, c'est les serveurs. Ok. IT. Voilà. Ensuite, on a les trucs de développement. Donc on a quoi? On a... D'accord, ok. Donc on a les studios, les complexes là de studios. Moi je suis sûr que ça c'est une ressource dont on va avoir énormément besoin, mine de rien, les serveurs. Donc moi je suis d'avis, c'est qu'on en fasse plein. Je suis d'avis qu'on prenne les devants, qu'on se fasse pas avoir. Donc je crée au moins... truc c'est qu'il y avait les larges aussi, hein, mais les larges je vois pas où ils sont passés. Donc on va voir, hein. Peut-être qu'il faudra détruire après, mais vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc je vais créer 5... enfin 10 slots au total. J'ai les ressources pour, et même si j'avais pas les ressources, je peux toujours marchander. J'ai large, avec 2 milliards sur le compte, j'ai clairement ce qu'il faut pour commander n'importe quelle ressource. Du moment que c'est pas des trucs de d'aliens, ça va quoi. C'est pas. Rods. Si ça se trouve, je fais tout ça à rien. Si ça se trouve, ça va être très très vite obsolète. Ou si ça se trouve, je vais pouvoir upgrader très facilement. Hein. Allez, on confirme tout ça. Et on va voir un petit peu ce que donne un truc. Alors, hop, d'accord, ok. Donc, il n'y a personne qui bosse. Ah bah oui, il va me falloir de l'emploi. J'en suis où là, dans ma politique d'immigration? Eh ouais. Parce que là actuellement, je suis en plein emploi, je n'ai pas de chômage. Donc... Non, c'est pas politique que je voulais. C'était dans les statistiques. Petite vue d'ensemble, hein, en même temps, comme ça, vous verrez un petit peu, voilà, où j'en suis. Bon, là-dessus, il n'y a rien. Oui, maintenant aussi, on peut créer le drapeau de notre colonie. Donc moi, voilà, pour le moment, j'ai fait juste un petit truc tout simple. Voilà, avec le triangle bleu représentant la planète Terre, parce que c'est la planète bleue, le vaisseau spatial, et puis la nouvelle colonie. Voilà, je suis parti sur ce principe-là en flag, mais ça correspond pas du tout à... Donc ouais, donc ça c'est la population. Donc évidemment, oui, j'ai coupé mon immigration il y a bien longtemps. J'ai une moyenne d'âge de 35 ans, ce qui est pas ouf. J'ai une population assez vieillissante. La santé moyenne évidemment qui va avec. J'ai un bon QI par contre, moyen, et ça c'est les lieux de divertissement. Et si je vais dans le gouvernement, 95% d'approbation. Et
les gens s'inquiètent de logement, mais honnêtement, j'ai encore 50, au moins, ouais, j'ai encore 60 000 logements disponibles. Donc, c'est pas vraiment une préoccupation. Et au niveau économie. Ah, si, j'ai du chômage, j'ai 2% de chômage. Mais j'ai des postes vacants. Donc pour être en plein emploi, voilà, faut que j'atteigne les 98 000 en population. Ça va, je vais laisser mon immigration faire un petit peu. Je vais laisser les gens arriver. Par contre, j'aimerais au moins avoir un serveur qui fonctionne, quoi. Bon, malgré tout, même s'il n'y a personne dedans, visiblement, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est que c'est pas quelque chose qui varie avec l'emploi. Donc bon, moi en soi, c'est pas plus mal. Ensuite, alors, on va aller dans l'éducation parce que dans l'éducation, j'ai vu qu'il y avait. Donc non. Dans tout ce qui était building, j'avais vu qu'il y avait. Non, à mon avis, maintenant, il faut que je développe des softwares. Mon avis, c'est ça. Parce que maintenant que j'ai les serveurs, il va falloir que je crée des studios de dev. Donc, on va retourner dans IT. Et il faut. Alors, est-ce que. Donc, ça, c'est du 1x1 et ça, c'est du 2x2. Alors, j'ai ça qui me génère de l'argent. Et ça. Ça, faut au moins que j'en construise un, je pense. Parce que ça, visiblement, ça permet d'automatiser des ventes. Mais je sais pas si c'est des ventes avec les joueurs ou des ventes sur le marché galactique en mode solo. Bon. Donc, on va commencer par des voilà des studios, hop, de dev. Pareil, on va en créer. Si je vais jusque. Non, si je vais jusque là, à mon avis. Bah, j'en crée 10 si je vais jusque là. Ouais. On va voir ce que ça donne. J'en crée 10. Si je vois que ça produit pas des masses, j'augmenterai. Je regarde au niveau de mes ressources, est-ce qu'il me manque des choses? Visiblement non. Alors, la nouvelle coloration là, ça vient vraiment de cette version là, ça vient vraiment de la version 97. Parce qu'il n'y avait pas de coloration en version 96. J'ai joué il n'y a pas longtemps, hein, mais. Voilà, j'ai pas forcément tourné à chaque nouveauté. Peut-être que ça viendra plus après. Je regarde un petit peu le temps qu'on est. On est à une demi-heure, on est à 25 minutes. Pareil, hein, je vais tourner 1 heure et puis on verra bien. Attendez, excusez-moi, hop. Voilà, je vais mettre un minuteur à 25 minutes, comme ça.
Au moins. Parce que le truc, c'est que j'enregistre avec, avec XSplit derrière. Mais j'ai pas le. J'ai pas le timer en fait. J'ai pas branché mon double écran. Bon, ça se construit. Ah, ça se construit avec les. D'accord, avec les. Avec les mégabots. Donc ça c'est cool. Ça me permet de. Voilà, hop. Alors. Avec qui? Ok. Et donc ça me produit. Donc ça me consomme. Ok, du power. Ah, d'accord. Ça consomme des microchips par minute. Ça c'est pas cool. Et ça me produit donc des softwares en .exe. Mais j'en avais pas déjà des softwares? Non, j'en avais pas. Mais voilà, je vais avoir mes premiers softwares. Ah oui, et puis pareil, dans les cadeaux, c'est vrai que je les ai pas pris. Bah oui, bah voilà, j'en ai déjà en fait. Parce que voilà, ce sont les cadeaux de l'empereur. Je les ai pas pris justement exprès pour vous les montrer. Donc il y a donc en fait on a déjà des softwares. Hop, bing. Donc les softwares, je les vois pas dans mes ressources. Si, là. Ils sont consommés. Alors, ils sont consommés par quoi? Ils semblent être déjà consommés, mais je ne sais pas par quoi. Toc, toc, toc. Ressources. Ressources. Les softwares. Je sais pas. Il y a quelque chose qui les consomme, mais je ne sais pas quoi. Ouais, donc j'ai dit ça me consommait des microchips, ça me produit ok des softwares et ça. Ah, est-ce que ça me demande? Non, ça me demande que de l'énergie et ça me produit de la bande passante. Ah, ok, bah voilà, voilà. Voilà. Là, on commence déjà à discuter un peu plus. Alors, est-ce que j'avais encore des trucs de. Des centres civiques? Je devais plus avoir ça. Hein. Si j'en avais, ce serait là. Donc, ça, j'en ai plus. Ok. Alors. Les large serveurs. Eh ouais, c'est du 2x2. Et oui, et donc ça me demande de. D'accord, des exés, donc forcément. Ok. Ok, bon, je commence à comprendre le truc. On a un arcade center là. Ça me plaît bien ça. L'entertainment. Plutôt cool. Ok, donc alors ça consomme de la bande passante évidemment, mais aussi des programmes. Wow, il y a beaucoup de choses.
Ok, d'accord, donc ça c'est de l'entertainment aussi, et surtout j'ai ça. Ça, je pense qu'on va en créer maintenant. Ouais. On va en créer maintenant et on va en créer donc dans le. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est tout petit! Ah, c'est tout petit! Ouais, bah, je voyais pas ça comme ça, moi. Ben, on va. Voilà, on va les créer là. Y a pas de soucis, ça. Hop. Ah, je m'attendais à Netschool, je m'attendais à des trucs un peu plus gros quand même. Mais bon, ok. Donc ça va former des gens. Pareil, c'est pour l'éducation. On va leur apprendre à développer. Tant pis, hein. Ça me fait double route là, j'aime pas ça, mais bon. Alors, ensuite. Ensuite, donc, retour à l'IT. Information Technology. Ça, je suis curieux. Ça, je suis curieux. C'est dans le domaine des banques d'affaires, donc je vais plutôt mettre ça près des banques. Pas trop. Après là, je vais mettre ça là. Hop, ça sera très bien là. Ah non, je vais mettre ça à côté du Galactic Trade Center. Voilà, hop. Ok. Ça, faut que je le lise davantage. Ok, donc ça consomme du software. C'est pour du civique. Donc ça ne m'intéresse pas, j'ai ce qu'il faut en civique. Les banques, elles me produisent tout ce qu'il me faut en civique. Donc c'est pas. Ça ne me sera pas plus utile que ça, malheureusement. Les news officielles. Alors ça, voilà. Est-ce qu'on va avoir quelque chose pour gérer notamment la popularité? Pure people informé, niveau mission news station, générate civique. Ok, ça génère du civique. Un petit peu d'argent. Ça coûte du rhum. Et visiblement, ça n'utilise pas de software. Ça. On va plus le mettre dans le quartier Entertainment. Où est-ce que je peux mettre ça? Côté de la porte des étoiles. Ouah, j'ai pas envie de masquer ma porte des étoiles, c'est bête. À côté du Galactic Trade Center, non. Je vais le mettre là. Allez, je vais le mettre là. Ce sera très bien. Donc ça c'est construit. Donc ok. J'avais que ça en. Ouais, j'avais que ça en gestion. Donc c'est juste ça génère de l'argent, ça. 35 salariés, à mon avis, c'est comme une banque, quoi. C'est comme une banque standard.
Je dois pas m'attendre à ce que ça produise énormément, à mon avis. Alors ça c'est du recyclage, mais ça recycle en quoi? Je sais pas. Et ici il y a... Ah oui, aussi il y a ça. Ok, par contre c'est... Ah, c'est pas très lisible. Voilà, ok. Ok, la propagande impériale, donc je traduis. Hein. Donc garde vos sujets plus ou moins informés, vive, enfin avec des informations 24 heures sur 24 de propagande. Coûte un petit peu d'argent, de software, de microchip pour travailler, mais génère beaucoup de civique. Le truc, c'est BFM TV, quoi. Mais ouais, bon, ok. Mais non, c'est pour du civique, et le civique, je vous dis, ça, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, ça ne m'intéresse pas. Et ça, j'ai dit que c'était du de l'entertainment. C'est quoi? C'est du 2x2? Est-ce que j'ai moyen de le caser? Allez, je virerai le parc et je vais y mettre ça. Si je fais ça, j'en ai 5, c'est nickel. Et je vais mettre des arcade center. Oh bah nickel! Voilà. J'en ai mis combien là? 11. Bah ça ira, allez, c'est vraiment pour combler le vide. Et puis bah, je retrace une route. Donc on aura fait tout ce qui est informatique là aujourd'hui. J'ai pas regardé dans les véhicules s'il y avait des nouveaux véhicules liés à ça. Visiblement non, ça n'engendre pas de nouveaux véhicules. Par contre maintenant, j'ai les mégabots. Ah non, c'est pas les mégabots qui demandent ça. Voilà, les constructions drones. Par contre les constructions drones maintenant demandent des softwares pour être construits. Et par contre, je sens que les softwares, ça va pas suivre. Donc j'ai besoin de plus de... De plus de... Hop. L'IT Studio. Après, en vrai, pour le moment, les petits serveurs suffisent.
Et puis, tant qu'ils suffisent, en fait, je vais pas les remplacer. Parce que le problème, c'est que les gros, je crois qu'ils me consomment des microchips, hein, c'est ça? Les large serveurs. Non, d'accord, ok. De toute façon, il me faut des softwares pour les créer maintenant. Et. Et puis, bon, c'est tout, en fait. Non, en fait. Visiblement, ça dit pas que ça consomme plus autre chose, non. Donc voilà. Oui, le tech office building, c'est quoi? Génère de l'argent provenant de travaux high-tech. Et ça engage 190 personnes. Ça génère de l'argent et ça engage 190 personnes. Donc il y a de grandes chances que ça. Ah d'accord, par contre ça. Ah oui, d'accord, ok. Par contre, ça consomme 560 de. J'en mettrais bien pour essayer. J'en mettrais bien un. À côté de l'école. À côté de l'école du numérique, là. Voilà, comme ça, hop, direct formé, direct employé. Et attendez, je suis con moi, mais. Hey. Oh, puis ça va, ça coûte pas si cher que ça. Voilà. Là, je suis tranquille en software pour un petit bout de temps. Après, il y a les aluminiums là que je peux améliorer. C'est vrai que l'aluminium, c'est toujours un petit problème. Et puis là, je suis en train d'en consommer masse parce que je suis sûr, j'ai une banque qui vient de se créer. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Parce que là, mais bon, généralement, ce que je fais, c'est j'en importe. Je m'ennuie plus, hein, maintenant. Voilà, quand j'ai suffisamment d'obsidienne, en fait, je le vends. Et tant que l'obsidienne est vraiment à bon prix. Ah oui, ah oui. Voilà. Hop, ça. Alors, est-ce que ça a été réparé? Parce que eux, ils refusaient de se parquer à la mise à jour précédente. Alors, est-ce que maintenant, quand je vous parque, est-ce que vous enregistrez? Ok. Et puis vous, tant que vous y êtes, et ben vous allez récolter ce qu'on vous a demandé. Bon. Alors, au niveau de l'or, j'ai énormément de stockage, j'ai 50 millions de stockage. C'est parce que les banques d'affaires servent de stockage à l'or. Les banques d'investissement, Attendez, je regarde juste. Le temps, ouais, 44 minutes, on va pas tarder à se quitter de toute façon. Mais si on regarde, voilà. Chaque banque peut accueillir 500 000 unités d'or. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai énormément de stockage en or. C'est les conséquences de mon économie. C'est pas parti.
Tiens, tiens, tiens. Bon, je sais pas pourquoi, ça c'est pas parti. Je regarderai après. Est-ce qu'il faut les déparquer pour qu'ils puissent harvester? Ok, donc ça a foutu un sacré bordel quand ils se sont déparqués. Ok, et récolter. Ok, alors bon à savoir, donc résultat, bah, ça sert à rien de les parquer. Apparemment, ils peuvent. Petit bug, apparemment, hein, c'est pas censé fonctionner comme ça, mais quand ils sont parqués, ils ne peuvvent pas harvester. Ce qui est un petit peu dommage. Et eux, pareil. Si je vous le demande de harvest. Ah, eux, ça a marché. Ou pas, lol. Bon. Harvesting. Non. Visiblement. Collection des packages. Sert à rien. Donc ici j'en ai 6. Ici j'en ai 4. Bon, ici j'en ai 2. Hop. On va les dédoubler. Donc non, donc le package ça sert à rien parce que pour le harvest ça bug. Donc bah non. Bah non. Juste non quoi. Après peut-être pour les builders c'est peut-être mieux, mais bon. En soi, qu'ils se répartissent les tâches ou qu'ils soient tous concentrés sur une seule tâche. Peut-être pour les lags, ça fait moins d'unités à gérer, donc peut-être que c'est mieux à ce point, de ce point de vue-là, mais en tout cas, pour le harvesting, ça sert à rien. Pour les récoltes, ça sert à rien. Ça bug. Dommage. Donc ça c'est construit. Ça c'est construit. Donc ça demande des softwares à la minute. Ok. Et donc ça pouvait stocker un petit peu aussi de... Ok. Bon bah ça c'est... Cool. Et donc ça, j'ai dit que c'est... Oui, évidemment, ça produit rien étant donné que ce n'est que du divertissement. Donc c'est du bien-être. Par contre, eux... Eux, ils génèrent du civique et de la monnaie. Mais bon, pour le moment, il n'y a rien, mais devrait pas tarder. Tout ça, ça se met en place, ça se construit. Je manque d'acier. Je m'en doutais. Enfin, de... C'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium qui me manque. Non, c'est pas là, c'est là. Donc je vais en importer. Ah.
Écoutez, on approche de l'heure là, donc ah non, oui, je crois que l'aluminium en plus je peux pas l'importer. Ah si, 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 je peux l'importer ici. Hop. Et puis on va l'importer encore un peu. Bien, bah on aura vu ça au moins, les nouvelles mises à jour. Écoutez, bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais continuer un petit peu. Déjà, je vais laisser construire ça. Et on se retrouvera à l'épisode suivant pour la suite. Donc, on verra la fin de ça. Peut-être que j'aurai suffisamment pour faire la transcendance. Voilà, après il y a une autre technologie qu'on n'a pas vue, mais c'est juste après les cristaux. Donc on verra ça à l'épisode suivant. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.